Hoy día queremos hablar del lazo social. Es probablemente uno de los desafíos más importantes que tenemos, no solo a nivel personal, a nivel político. Y precisamente se trata de eso, de cómo somos capaces de reconstruir nuestro espacio institucional, nuestro espacio democrático, los derechos sociales que queremos avanzar y al mismo tiempo fortalecemos los vínculos sociales. Esta primera conversación sobre el lazo social es privilegiada porque hablaremos con Vincent de Gaulle-Jacq, Vicente para los amigos, quien ha dedicado su vida a estudiar precisamente este fenómeno. Y nos va a mostrar cómo una sociedad que conversa sobre sí misma, una sociedad que pone sus conflictos en la palabra y que no teme conflictuarse en la palabra, es una sociedad que tiene más capacidad de reconstruir su lazo social, pero al mismo tiempo su democracia. Vicente, tú mencionas un aspecto que es muy importante en la historia de la izquierda del mundo progresista y se ha vuelto también un desafío para nosotros. El mundo progresista tuvo tradicionalmente mucha capacidad teórica y política para entender el mundo del conflicto tradicional de lucha de clases que tú decías. ¿Qué posibilidad ves tú o cómo debiera más bien un mundo progresista abordar este nuevo campo de lucha que es el campo de la producción de sujetos, del sentido social? Ça pose une contradiction forte, hein, cette question, qui est que la conflictualité s'est déplacée. La lutte des classes, c'était une conflictualité sociale et politique. La lutte des classes, c'est une conflictualité de chaque individu par rapport à lui-même. Hein, chaque individu est interpellé pour faire fructifier son capital, son moi, comme on fait fructifier un capital. Et du coup, ça fait un hyper-individualisme, un chacun pour soi, et qu'on voit que tous les collectifs qui font le lien social, hein, qui font ce monde commun dont parle Hannah Arendt, qui est le cœur de la politique, c'est de créer une cité dans laquelle tout le monde ait sa place. Là, il y a une tension entre l'économique et le politique. Et d'ailleurs, et la gauche est en grande difficulté. Nous, on l'a vécu avec François Hollande, qui fait une campagne électorale en disant « Mon principal ennemi, c'est la finance, il n'a pas de visage, etc. » Et dès qu'il est au pouvoir, il fait une politique que des gens qui sont vraiment de gauche estiment de droite. On a eu la même chose avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire cette contradiction qui fait que la gauche dite de gouvernement est obligée de faire des concessions parce qu'il n'y a pas de rupture possible, d'une certaine façon, avec le capitalisme, et que la puissance, aujourd'hui, du capitalisme financier est telle que des grandes entreprises, les GAFA, sont aussi puissantes que des États. Et donc, politiquement, on ne sait pas comment aborder ça. Donc, la question pour moi, c'est que... Donc, il y a le sentiment, en fait, de cette désaffection ou de ce désenchantement, dit Marcel Gauchet, par rapport à la politique. C'est-à-dire que les gens ne croient plus que la politique peut changer leur vie. ¿Y ese sentimiento de impotencia no es precisamente algo que ha recogido el populismo? D'une certaine façon, je crois que le populisme naît là. C'est-à-dire qu'un populiste qui a un discours dont personne ne croit qu'il est dans la réalité, mais qui fait plaisir à entendre, et c'est comme le succès de certaines religions, d'ailleurs, comme les évangélistes, etc. Où j'ai beaucoup travaillé récemment sur le djihadisme en Europe et ces jeunes qui basculent dans une croyance que effectivement il y a un ailleurs dans lequel le prophète va vous permettre de réaliser tous vos désirs, etc. Et ce sont les perdants de la lutte des places qui basculent dans le populisme, c'est-à-dire ceux qui sont désenchantés de la politique, qui sont pas satisfaits de la situation dans laquelle ils sont et qui se laissent séduire par un discours qui les enflamme, qui leur fait des fausses promesses. Mais tout le monde sait que des fausses promesses, mais ça a de la gueule, quoi. Trump, aux États-Unis, quand on pense que ce milliardaire
est devenu le héros des classes populaires américaines, il faut vraiment réfléchir à cette espèce de paradoxe incroyable. Mais il les exalte. Tu me demandais, moi j'ai pas de solution, pour un clinicien, la thérapie est contenue dans le diagnostic. C'est-à-dire, l'important c'est de faire les bons diagnostics. Alors le diagnostic qu'on fait là, c'est qu'est-ce qui peut redonner du sens à la vie des gens. Et il me semble que le Chili est vraiment intéressant par rapport à ce qui se passe là, parce que le nouveau gouvernement, il s'appuie quand même sur les mouvements sociaux, sur des actions citoyennes. C'est quoi? C'est le féminisme, c'est des coopératives agricoles, c'est des gens qui sont écologistes et qui disent « on ne va pas attendre le grand soir, on va changer tout de suite notre rapport à la nourriture, notre rapport à la production agricole, etc. » C'est-à-dire de retrouver le cœur de ce qui fait la citoyenneté, c'est-à-dire la production d'un monde commun, et de commencer tout de suite, de ne pas attendre un changement politique de grand soir, comme la lutte des classes, c'est-à-dire dans une perspective révolutionnaire politique globale, mais de faire cette petite révolution quotidienne de citoyenneté pour redonner du sens à ce que je veux. Le sujet se construit dans les réponses qu'il apporte aux contradictions qui traversent son existence. Et les contradictions, on en a tous. Et donc, le fantasme d'un monde sans contradiction, c'est ça le populisme. Et c'est une illusion. Et, par contre, l'action quotidienne, citoyenne, sociale avec d'autres, ça fait sortir de son isolement, déjà. On va mieux quand on fait des choses avec les autres, et quand on affronte avec les autres les contradictions de sa vie quotidienne. Et ça crée du dynamisme, et ça crée le partage du plaisir d'être ensemble, c'est-à-dire la joie d'être ensemble, disait Durkheim. Hein, ces joies collectives qui fondent le monde commun. Et ça s'invente tous les jours, c'est pour ça que je ne suis pas pessimiste. Si te entiendo bien, Vicente, entonces, por la, el procesamiento de los conflictos de la vida cotidiana, de la emoción cotidiana, de la subjetividad cotidiana, a través, por ejemplo, de la participación local, podría ser, llamemos así, terapéutico, preventivo. Es decir, la capacidad de trabajar en los problemas concretos participativamente entre las personas podría tener un carácter preventivo de estos daños de la subjetividad. Eso por una parte, y por la otra, si acaso esa participación local también es terapéutica para la izquierda, en el sentido que le da un lugar y un sentido donde el sentimiento de impotencia puede ser superado. Alors pour moi, la prévention, ça commence aussi par travailler sur ces tensions qui traversent la société à un moment donné. C'est-à-dire, pas seulement faire société par rapport à mobiliser les gens sur des projets qui les motivent, mais aussi penser, tu posais la question du populisme aujourd'hui, hein, comment on peut travailler, l'extrême droite et la gauche, par exemple, dans beaucoup de pays, on se hait, c'est la haine. C'est le manichéisme, toutes les responsabilités, c'est les autres, hein, comme ici, là, hein, c'était le communisme et le marxisme qui étaient ce virus dont il fallait se débarrasser, c'est-à-dire des images d'une société effectivement qui serait malade parce que les autres, l'opposition, hein, porterait une espèce de virus, de pandémie qui allait tous nous détruire. Que pour moi, un des chantiers à ouvrir, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut travailler sur la violence sans violence? Par exemple, est-ce qu'on peut travailler sur la haine, sur la culpabilité, sur la honte qui sont liées à ces fracas sociaux? Et pour moi, la sociologie clinique, c'est un peu cette idée-là, de prendre les choses autrement, non pas dans un combat politique pour gagner des élections, mais dans un combat citoyen pour faire société. Retissons du lien. Tu dirías que un camino de acción política en el nuevo contexto para el mundo progresista, para la izquierda, es tener la capacidad de crear las condiciones para que la sociedad pueda hablar correctamente de sus experiencias. Merci pour cette reformulation, parce que elle me convient tout à fait. C'est-à-dire, le sens de la politique aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour faire ça. Mais c'est les citoyens qui le font, c'est pas les hommes et les femmes politiques. Les hommes et les femmes politiques créent des institutions qui favorisent l'être ensemble, qui favorise
la co-construction d'une société dans laquelle chacun ait sa place. Et à ce moment-là, on retrouve le cœur de la politique, c'est-à-dire faire société.